Comment allez-vous mes chers Millimilou? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle. Quand je tourne cette vidéo, il est 15h32 et à 15h, Yulin nous a tout simplement sorti son exclusive performance vidéo sur son titre Waka Boom original version, le titre qu'elle nous a tout simplement sorti pour la finale de Kingdom saison 2. Je peux vous dire que j'ai très très hâte de découvrir ce titre. Je vais d'ailleurs le télécharger pour savoir monter la vidéo. Oui, je fais ça en même temps qu'en vous parlant. Je pense que vous avez l'habitude, hein, et je sais pas si vous aimez que je parle comme ça et pas que faire la vidéo réaction et puis basta, au revoir. La performance dans Kingdom, je pense que vous pouvez le voir sur ma vidéo de l'épisode que je n'oublierai pas, je mettrai ici. J'ai énormément kiffé sa présence, sa prestance, tout simplement ce titre, il faut se le dire. Alors j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en MV. Là on voit, je suppose, Yulin avec une sorte de tissu sur la tête et sur elle. Tu vas me dire, c'est normal qu'elle a du tissu, il faut bien être habillée dans le désert, mais tu vois, une sorte de protection contre le soleil dans un désert, et il est marqué quelque chose en anglais. Est-ce qu'on aura des sous-titres? Ouais, c'est bon, j'ai mis en sous-titres français. Allez les gars, on est parti ou on n'est pas parti? On est parti également. Toujours si canon, hein, Yulin. Ouh. Oh. Waka boom. Oh oh, bah ouais, hein. En fait, une reine égyptienne. Hein. Ouh. Ah, cette tenue. Je vais pas vous parler plus de la chanson parce que vous avez déjà eu mon avis dans Kingdom. Seulement dans une clairière où ils font des travaux, quoi. Hein. On va pas aller dans le désert non plus. Quoique, peut-être que oui. Kaboom! Ah, j'aime beaucoup le doré sur le milieu des cheveux des danseuses et même chez Yulin, c'est super joli. Toutes ces tenues sont super classe. Hein. Guerrière. Ouh, les lentilles bleues, ça lui va bien. Ils ont vraiment accentué comme une sorte de liner un peu charbonneux, comme ça c'est super beau avec la petite paillette là. Canon. Elle a l'air super grande là. J'aime beaucoup comment ça a été pris, comment ça a été filmé. Bienvenue dans mon monde et mon mission. Ouh. Oh, j'adore cette tenue, on voit son tatou là. La cour est trop géniale. Je m'en lasserai jamais. Wouhou! Ils ont quoi, un maquillage sur leurs yeux, les danseurs? Mmh.
Wow. Oh, 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 oh. Wow. Ouh. Wow, super transition. Alors, que dire par rapport à son MV performance? Je vous dirai pas plus sur la chanson parce que j'adore le son depuis Kingdom. J'adore la chorégraphie, j'adore ce concept, mais la reine en toute puissance comme Cléopâtre en Égypte. J'adore ses tenues qui sont juste sublimes. Là, on avait plusieurs tenues qui étaient waouh, qui lui va tellement, tellement bien. Ce feat qui est une tuerie. Ce côté, j'adore. La chanson, c'est sans appel, j'adore. Au niveau de la performance vidéo, moi je dirais plus quand même que c'est une, c'est un bon MV qui tue, quoi, hein, un cercle chorégraphique, mais on adore, on adore, on adore. J'aime beaucoup le visuel, j'aime beaucoup qu'on tourne en jour et en nuit, parce que quand tu tournes en nuit, il y a une autre dimension. T'as vraiment ce côté très mystérieux, j'aime vraiment beaucoup. J'aime le fait que le feat apparaît également dans le MV, ça c'est vraiment très très sympa. Dès le début avec ce trône tout en doré et puis tous les danseurs avec même ce détail doré dans les cheveux, dans le cuir chevelu qui était juste magnifique. Même sa couleur de cheveux c'est très joli, hein, un gris blond comme ça c'est très beau. Que dire, oui, c'était une belle performance vidéo les gars. Moi je sais pas quoi dire de plus, j'aime vraiment la tournure, les transitions, quand vous avez vraiment ce côté jour où hop elle va se laisser aller, puis cette fumée rouge qui apparaît et puis hop transition sur le sol et on arrive à la fin du MV où c'est vraiment ce côté sombre dans cette sorte de clairière, on va dire ça comme ça. Non. Merci beaucoup Yoline pour nous avoir fait revivre cette performance que tu nous as produite dans Kingdom. Mais là voir qu'il y a vraiment un MV officiel, on va dire ça comme ça, moi je suis conquise. J'espère en tout cas que les autres groupes qui ont participé à Kingdom vont nous sortir tout simplement des MV officiels de leurs titres présentés pour la finale, parce que ça pourrait être vraiment chouette. C'est ce qu'ils ont fait pour les autres émissions comme Kingdom ou quoi tant Kingdom, pas tous mais quelques-uns, donc oui ce serait chouette. Chouette. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous avez apprécié tout simplement la vidéo pour le titre Wakaboom qui était à la finale de Kingdom saison 2. Moi je vous fais d'énormes gros bisous. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous voulez, vous pouvez liker ou vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara.